Circuler et surtout partager. En Aveyron, les premières voitures hybrides se louent désormais en un clic. Alors, on ouvre l'application Cities et on va tout simplement cliquer sur la voiture pour la réserver. Voilà. Si le service d'autopartage via l'application Cities a déjà fait ses preuves dans les grandes villes, il fait son entrée dans le sud Aveyron. Sur Millau et Saint-Affrique, au total, 3 voitures hybrides ou électriques sont désormais à disposition. Le principe de l'autopartage, c'est de pouvoir prendre une voiture uniquement quand on en a besoin. Donc, ce sont des voitures qui sont en libre service, 24 heures sur 24. Et une fois abonné, inscrit au service, vous pouvez l'utiliser en faisant une simple réservation via l'appli smartphone ou le site internet. À l'initiative de cette expérimentation, le parc régional des Grands Causses et quelques entreprises partenaires soucieuses d'optimiser l'utilisation de leurs propres véhicules. La journée, c'est utilisé de façon professionnelle par nos salariés. Entre 6h30 le soir et 6h30 le matin et le week-end, cette voiture est mise à disposition de l'ensemble de la population qui seront adhérents au système Cities. Pour le parc des Grands Causses, une autre manière d'appréhender la mobilité. Après la promotion du covoiturage, du stop organisé ou encore du vélo électrique, ce système de location en libre service vient compléter une offre de transport dit alternatif et économique. On parle souvent du prix du carburant, mais le prix du carburant en fait représente très peu dans le budget des ménages. C'est le budget global voiture qui est important. L'amortissement, l'entretien, l'assurance des véhicules, c'est tout ça qui prend en compte, pèse. Pour certains, jusqu'à 40% du budget. Quoi. Ici, le coût de la location est calculé en fonction de la durée d'utilisation et de l'abonnement choisi. Pour les particuliers, un système jugé financièrement intéressant à condition d'effectuer moins de 10 000 km par an.